Bonjour chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour relationnel sentimental pour le mois de juin 2022. Je suis contente de vous retrouver. Ce tirage il est bien aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Vierge, la lune en Vierge. Bienvenue à vous. Alors, je vais faire plusieurs tirages dans cette vidéo, donc je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Je vais utiliser plusieurs outils tout simplement pour que ça puisse aussi parler au maximum de personnes parmi vous. Si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, sans oublier aussi la vidéo que je vous ai préparée pour le tirage général pour le mois de juin. Alors si vous êtes intéressé bien sûr par une consultation privée avec moi, vous avez tous mes coordonnées sur mon site internet en dessous de ma vidéo, voilà dans la barre de description. Allez les Vierges, c'est parti. Évolution sentimentale pour les Vierges. Un nouveau départ pour vous les Vierges, je vois une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça me parle de cette vraiment de période, vous savez, on sort, on passe du bon moment avec quelqu'un, on vit quelque chose de spécial. C'est un peu ce que je vois ici, hein. D'accord? Allez, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, déjà vous sortez dans votre tirage. Et j'aime bien quand ça se passe, quand on sort dans le tirage. Je vous vois peut-être les Vierges aussi, éventuellement face à un choix. Alors, peut-être il y a des Vierges qui ont le potentiel de s'engager sur ce mois-là. Hein, c'est pas une rencontre aussi très récente hein, pour certains d'entre vous. Ça veut dire quelqu'un déjà avec qui justement on est sorti, peut-être que vous avez vécu aussi ensemble, hein, comme ça pour quelques semaines, pour quelques mois, voilà, ça dépend de vous, ça dépend de vos histoires. Mais ce que je vois ici, il y a vraiment un potentiel de s'engager, un potentiel d'officialiser la relation, un potentiel de rendre un peu les choses de plus en plus sérieux entre vous. Hein, ça veut dire c'est pas forcément on va signer, bien que ça peut être le cas pour certaines personnes, mais il y a l'idée quand même, à la limite, la relation, elle prend de l'ampleur et elle devient sérieuse, d'accord? Parce qu'on voit bien ici, en certains moments, justement, la relation, elle était, voilà, on sort, on passe du bon moment ensemble, vous voyez, peut-être on voyage ensemble aussi, ce genre de choses, mais aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur. Mais ça peut être le cas, voilà, c'est qu'on est face carrément à un choix d'engagement, c'est qu'on peut proposer à quelqu'un, d'accord? Sur ce mois-là. Allez, j'aimerais bien voir la continuité. J'ai l'as d'épée qui parle bien justement d'un nouveau départ. J'ai deux as dans votre tirage. Et voilà, on est sérieux. On est vraiment sur du sérieux ici. Donc on a la stabilité, on a l'idée peut-être aussi de former une famille, pourquoi pas, déménager, emménager ensemble. J'ai quand même une évolution positive. Hein. J'ai quelque chose qui fait plaisir, là, qui vous aide aussi à penser hein, quand même un peu les blessures peut-être du passé, hein, d'accord? Alors, ne doutez pas de vous-même, les Vierges. Alors, peut-être aussi, tenant compte peut-être de votre nature ou de la nature de votre caractère, il est possible que vous allez avoir comme ça un petit moment d'introspection parce que vous avez besoin d'absorber la situation, vous avez besoin de tout digérer, vous avez peut-être besoin aussi de votre temps avant de décider parce que éventuellement ça peut être le cas, là où c'est vous mes amis les Vierges qui allez décider hein, de s'engager, hein, d'accord? C'est que vous, peut-être que vous allez proposer à quelqu'un, pourquoi pas? Mais ce que je vois ici, c'est que je vois une évolution positive, une évolution agréable, une évolution dans le concret. Certainement, il y aura des choses qui vont être mises en lumière. C'est peut-être les intentions. On avoue ses intentions. On avoue ses vœux, tout simplement. On avoue ses sentiments aussi, d'accord? Alors, ça peut être aussi le cas là où il y a quelqu'un qui revient vraiment d'une manière forte, là, dure, d'une manière sûre, d'une manière concrète dans votre vie après une période de silence, après une période comme ça de, voyez, d'introspection, de remise en question. Et donc là, on reprend. C'est peut-être il a fallu reculer justement pour mieux avancer, d'accord? Parce que là, vraiment, votre tirage parle d'engagement, parle de quelque chose de sérieux. Je peux pas le décrire autrement. C'est ça en fait, c'est que on passe à un niveau supérieur, d'accord? Allez, je vais voir le deuxième tirage. Ça a été rapide et fluide, ça c'est bien. Allez, les Vierges, est-ce qu'on a encore quelque chose à vous dire par rapport à votre évolution sentimentale? Alors aussi, ça peut être un engagement, bien entendu, dans une triangulaire, hein. Alors, j'ai la femme, j'ai une énergie féminine qui ressort. J'ai quelque chose là
qui évolue d'une manière positive, disons-le comme ça, pour une femme, en fait. Hein. Alors, j'ai le désir aussi, j'ai les désirs, les passions. En fait, vous voyez ce que je ressens, ça peut être vraiment peut-être un truc bizarre que j'allais dire pour certaines personnes. J'ai une personne qui se découvre, en fait. Qui se découvre, vraiment. Alors, ça peut être aussi une petite parenthèse, donc, ça peut être vraiment pour les personnes justement qui ne savent pas trop quelle orientation sexuelle on veut bien avoir dans la vie. Ça peut être ça aussi, c'est qu'il y a une personne qui se découvre, qui vit vraiment des choses, voilà, qui exploite des choses, qui s'ouvre aussi à des choses vraiment, à des expériences avec des personnes, avec peut-être de sexes différents bien entendu, et qui se découvre en fait, qui dévoile un peu son identité aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train d'exploiter des choses, d'accord ? Peut-être que vous avez déjà décidé hein, ce que vous voulez, vous désirez aussi, ou peut-être c'est encore en process. C'est que c'est pas encore peut-être décidé pour vous, d'accord ? Mais vraiment, j'ai l'idée de quelqu'un qui exploite les choses et qui se découvre, hein, surtout là au niveau sexuel, physique, hein, d'accord ? Ça peut être le cas aussi, que vraiment ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, mais nos choix hein, dans l'intimité. Est-ce qu'on est plutôt ça ou ça ? Est-ce qu'on préfère quelque chose, vous voyez, comme ça, de sensuel, de romantique, ou on préfère quelque chose un peu plus passionnel, un peu plus poussé ? D'accord ? Donc je vois vraiment ce genre de choses. Alors ça peut bien entendu parler de rencontres, bien évidemment. Hein. Peut-être dans le cadre de rencontres, c'est que vous rencontrez des personnes ou une personne avec qui vous allez expérimenter quelque chose complètement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Bien sûr, c'est possible. La transformation, bah dis donc. Donc, revenons à ce que je disais, donc on peut s'attendre à un changement justement dans l'orientation sexuelle. Et on peut s'attendre aussi à un changement par rapport à vos désirs, vos choix, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, l'orientation sexuelle. Mais je pense que ce que vous allez vivre, ça va changer un peu comment vous vous projetez dans la vie intime, d'une manière générale avec quelqu'un. D'accord ? Peut-être, vous voyez, on vit une expérience, on vit une relation comme ça particulière qui nous change. Hein, d'accord, c'est un peu ce que je vois ici. Hein. J'ai demandé d'en savoir un peu plus. De toute façon, c'est ce qui ressort pour le moment. Alors, ça me parle bien quand même de rencontres. D'une rencontre vraiment bon, je dis pas sentimentale parce que pour le moment je pense pas qu'on parle de sentiments, pour le moment qu'on parle de sortie, vous voyez, des choses qui se passent un peu comme ça dans c'est pas dans l'ombre. Dans l'ombre je pense que c'est un peu négatif, mais vous voyez on passe des nuits ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Ce tirage il parle beaucoup de charnel, il parle beaucoup de sensuel, de, vous voyez, de physique, d'intimité entre vous et quelqu'un. Donc j'ai les sorties, j'ai, vous voyez, donc voilà, le pourquoi pas, hein, le fait de se faire plaisir aussi, ce genre de choses, hein, vous voyez. Mais vraiment, alors, pour le moment, j'ai rien de négatif hein, à vous dire, c'est que ça se fait pas vraiment dans un abus de pouvoir, ou, vous voyez, par méchanceté. Non, je pense qu'on se laisse aller, qu'on expérimente des choses un peu particulières, vous voyez, et voilà, on profite de la vie, c'est vraiment ce que je ressens là. Ce sont des sorties, ce sont des rencontres, tout simplement. Mais apparemment, il y a des choses, je pense que ce que vous allez vivre, ça peut changer complètement votre vie. Hein. Alors, ben voilà, c'est pour ça aussi qu'on a la transformation, ben dis donc. Alors, il est possible que, ce que je ressens surtout, je pense que pour vous les vierges, peut-être qu'au début, vous n'êtes pas partis pour quelque chose de sérieux en fait. Qu'au début, votre but, c'était d'expérimenter des choses. De vivre voilà, la vie pleinement, de croquer la pomme à plein dents, d'accord ? Mais je pense que peut-être soit avec quelqu'un de particulier que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Je pense que les choses vont complètement, vont tourner vraiment de l'autre côté. Ça veut dire que les choses peuvent vraiment devenir sérieuses. Les choses peuvent vraiment, peut-être vous allez décider que moi je ne veux pas que ça, moi je veux plus que ça. D'accord ? Je ne veux pas rester que sur le charnel, que sur le passionnel, le sexuel avec cette personne. J'ai envie d'exploiter un peu plus.
D'accord? Ou tout simplement, ça sera le désir de votre autre. Mais de toute façon, j'ai l'impression que on va pas rester sur ça, on va pas rester sur cette superficialité. Je pense que le changement qui va venir, qui va se passer, justement, ça va être le désir de s'engager ou à la limite le désir de faire de la place, un peu plus de place dans votre vie pour cette personne que ce que vous faites en ce moment. Je m'explique. Peut-être pour le moment, on se rencontre, peut-être on sort, on passe du temps ensemble uniquement le week-end. D'accord ? Voilà, on passe du bon moment, c'est nickel, vous voyez, on ne se prend pas la tête. Et que peut-être on se rend compte qu'on a besoin de passer encore plus de temps ensemble. On se retrouve en cours de la semaine. On passe des nuits chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez, donc il y a l'idée des choses qui commencent un peu à prendre une nouvelle direction. Et pour moi, cette direction, ce n'est pas le superficiel. C'est une autre direction. Hein. C'est vraiment le début de quelque chose qui peut devenir sérieux. D'accord ? Mais aussi, hein, ça peut être le cas là où justement, on rencontre du monde, voilà, pour le moment c'est comme ça, c'est sexuel, charnel, etc. Et on rencontre quelqu'un, voilà, qui nous fait comprendre que finalement, c'est pas ça ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est plutôt autre chose. Peut-être une personne avec qui tout de suite vous allez comprendre que si on va être avec cette personne, il faut que ça soit du sérieux. D'accord ? Le choix, regardez. C'est pas étonnant. Hein. Je pense que c'est tout à fait évident que vous allez éventuellement faire face à un choix. Ça peut être aussi l'autre personne, c'est elle qui choisit par rapport à vous. Mais de toute façon, il y aura un choix qui va être fait ici. Je vais laisser la carte comme ça. Et on parle de sérénité, de calme. Je vous ai dit, en fait, je sens pas les énergies compliquées, dramatiques, vous voyez, là où on se cache nos intentions. Non, je pense qu'on joue à franc jeu dès le début, en fait. Si, voilà, ça devrait être du charnel, je pense que dès le début, on s'est mis d'accord que ça devrait être ça, vous voyez. Je pense pas qu'il y a un drame, en fait, derrière. Mais ce que je vois ici, je pense que l'univers, il va vous surprendre. Vraiment. Vous allez être surpris. Dans le bon sens, hein, bien sûr. Allez, les vierges, on continue. On va partir découvrir l'autre tirage. On s'en parle de voyage, de visite. Donc là, j'ai un déplacement. Ça peut être aussi le fait que vous voyez, vous allez faire un voyage ensemble avec quelqu'un, tout simplement. Mais ça peut être ici une rencontre lors d'un voyage. Hein, d'accord ? Donc la visite ici dans le voyage, c'est ça. Donc on rencontre quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On peut parler bien sûr d'une personne étrangère, bien entendu. Ah oui, donc là je comprends, parce que j'ai la réconciliation aussi. Hein. Donc ce voyage-là, ça peut être justement le retour de la personne dans votre vie, d'accord ? Parce que là, on s'en parle bien vraiment de quelqu'un qui vous visite, entre guillemets, pour se réconcilier, parce qu'on a la réconciliation. Donc on peut s'attendre à des secondes chances, les vierges, entre vous et quelqu'un. C'est marrant, j'ai l'homme et j'ai la femme, j'ai le couple. Donc, voilà, la réconciliation, l'union, les retrouvailles, le fait aussi de se mettre d'accord sur certaines choses, hein, de se rapprocher davantage l'un de l'autre. Alors, peut-être aussi parce que ça a été une relation à distance, ou il est question d'une relation à distance, et donc là, on va rendre visite à la personne. Peut-être la personne va vous visiter, ou vous allez visiter la personne en question. Et donc là, je vois des face-à-face, en fait, des visuels et des... vous voyez, on va se voir, en fait. Peut-être déjà que vous allez vous voir pour la première fois. C'est possible, hein. D'accord ? Oui, donc là, j'ai des messages, des échanges, de la correspondance entre vous et une personne. Alors aussi, je vois peut-être une personne qui porte une uniforme. Bon, ça peut être aussi à titre indicatif, bien entendu, mais ça peut me parler vraiment ici des principes de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de principes, en fait. Peut-être vous, justement. Peut-être la personne avec qui, hein, vous vivez cette histoire. Donc, pour moi, soit ça me parle de quelque chose à distance, et donc là, éventuellement, on va se retrouver. Hein, on va faire quelque chose ensemble. Peut-être on va visiter la personne, on va voyager ensemble, ou tout simplement une rencontre qui peut arriver lors d'un déplacement, lors d'un voyage. La troisième possibilité, c'est que le retour de quelqu'un dans votre vie.
Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes vierges, pour le mois de juin. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous remercie davantage pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça aussi, vous serez notifié quand je postule une vidéo en ligne. Et comme ça, vous ratez rien, tout simplement. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.